Bienvenue dans le troisième épisode de cette aventure sur Hogwarts Legacy. On est reparti. Alors, avant d'entamer les missions qu'on est censé faire, je voulais voir s'il n'y a pas autre chose à faire dans le coin. Bon, là, on va ailleurs. Et je démarre complètement en trombe. J'ai trouvé un passage secret avec un coffre. Tout de suite. Bah oui, d'abord, il faut explorer. Qu'est-ce qu'on a par ici? Comment résoudre sous peu l'énigme du tableau vide? Bonjour, Lenora. Tu pourrais me rappeler ce qu'il a de si spécial, ce tableau vide? À vrai dire, il n'est pas forcément spécial. C'est simplement une sorte d'énigme que j'essaye de résoudre. Tu peux y jeter un œil si tu veux. Peut-être que tu apercevras un indice que j'ai manqué. Parce que moi, je galérais dans l'épisode précédent sur la question du tableau. Il est où le tableau? Il est là. Donc c'est ça. On devait chercher cette chose-là. Donc on est venu ici. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? On a trouvé ça. Révélio. On a révélé, on avait trouvé une page de quelque chose. Ça, là, c'est quoi? Attends. Révélio. Il y a quelque chose avec ça, non? Mais bon, comme j'ai pas non plus beaucoup de pouvoir, il y a plein de trucs que je peux pas faire, comme ici, là. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Il y a quelque chose à faire. Mais je sais pas encore quoi. Je suppose qu'il faudrait que j'aille en cours de magie. Tu le maîtrises à la perfection celui-là. Trouver la réponse à ces trucs. Qu'est-ce qu'on a ici? Pardon. Révélé. Révélio. Attends. Espèce de tête bizarre là, attends. C'est pas ça. Ok. Révélio. Ah. Non. Alors ça révèle quelque chose. L'espèce de machin, attends. C'est ça. Ouais, ça y ressemble. Non. Ok, on reviendra plus tard. On sait qu'il y a plein de trucs à découvrir par ici encore qu'on n'a pas fait. Je veux juste continuer un peu mon exploration. Ça, je découvre les trucs à découvrir. Non. J'ai cru que c'était quelque chose. Et après, on verra quand on reviendra par ici plus tard. Il y a sûrement des trucs, c'est juste énigmatique, comme le truc juste avant, puis ben... Il y
l'histoire de la statue, non, tout ça, on a fait, on a vu ici. Non, on était venu. Ça, je pense qu'il faut, faut plus de magie, donc j'ai un peu... Ouais, je crois que j'ai un peu tout exploré là où je suis allé. Je suis pas allé. C'est marrant de faire tourner les trucs. Ok, bon. On va arrêter les bêtises et aller en cours. Alors. Attends, on peut faire quelque chose ici aussi. Oh. D'accord. D'accord, je sais pas quoi ça sert. Peut-être ça sert pas à quelque chose, aucune idée. Alors lui, il me parle toujours d'aller là-bas, mais on va aller ailleurs. C'est où? C'est là. On va aller, on a dit, en cours de sortilège pour apprendre action. Enfin, oui, je suppose. Je suppose. C'est bon, on l'a mis. On l'a mis. Allez, c'est parti. Tu vois, j'étais pas venue jusqu'ici. En route pour de nouvelles aventures ? Alors, on continue à monter. Non, fallait pas continuer à monter. Suis le GPS, ami. Suis le GPS. C'est beaucoup plus simple. Regarde, voilà. Allez, je vais pas tout le temps m'arrêter partout non plus. Par contre, quand même, admirons un peu la vue. Hein ? Pardon. Si je mets mieux la caméra, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Et là. Ok, bon. Il va falloir que j'apprenne à gérer la caméra ou que je change mes paramètres. Tour de défense contre les forces du mal. Moi, je vais aller au sortilège. Oh là là, il y a encore plein de trucs ici. C'est pas par là. C'est par là. Quoi ? C'est quoi ? Ici, je crois. Qu'est-ce que... Non, je crois. Un chat. T'es pas Mistaine quand même. Bah non, c'est pas possible. Oh. Oh. Petit chat sympathique. Attends, on recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Ouais, des câlins, le chat ronronne. Oh là là. Par contre, le miaulement, c'est une autre histoire. Bon. Je comprends pas. Il me montre quelque chose en haut. Il y a quelque chose là où je suis passé. Allons en cours. Allez. Non, il faut encore monter. Arrive au c'est bon là. Ronan de s'éterniser. Voilà. Parfois, nous devons lui rappeler. On y est. Alors, commencez. J'ai envie qu'il revienne à la leçon. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci.
Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour préciser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci, allez à votre place. J'ai fait que de la merde. Voilà. Axio. Axio. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela. Alors, comme des bave-boules, par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère au tout. Mais pas plus. Voilà. Ce n'est pas grave. Action. Excellent contrôle. Action. Très bien. Très bien. Des points pour Serre d'Aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. Concentre-toi. Ah!
Voyons voir. D'accord, j'ai compris. Et voilà. Rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Si j'ai perdu. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Encore gagner, mais je commence à comprendre. Bravo à vous deux. Bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ok, alors sinon, il y a à quoi ressemble Ouagadou ? Les sorts sont les mêmes à Ouagadou. Ben, on va tout faire. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Et le sort ? C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. C'est incroyable. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive.
Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains. Je peux vous parler un instant ? En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Qui veut me parler un instant ? Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. D'accord. Explorons un peu cette salle de classe. On peut pas faire tourner ce machin, non. Là. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était « Axio ceci, Axio cela !» Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux, en fait. Ok. Ça n'aura pas servi à grand-chose de lui parler. Et toi, t'as un truc à dire ? Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Ok. Et en haut des escaliers. Ah ! On peut pas encore ouvrir les serrures parce qu'on n'a pas encore appris le sort qui permet de le faire. Bonjour ! Comment se passe ta première journée ? Bonjour Samantha, c'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée ? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Non, j'ai eu de la chance. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Ah, mais c'est chouette, le monde... On est vivant, il se passe des trucs. On a envie d'explorer dans tous les sens. On va se perdre dans cet immense château. Où on est là ? Déjà, pour commencer, on est où ? Je sais pas. Une salle commune. Enfin, une salle commune. Vraiment commune pour le coup, pour tout le monde, peut-être. Et finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre fantôme. De la magie. Non, c'est faux. Ah, c'est Piv. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui affirme que tu... C'est pas un mensonge, Pivs. C'était Albert Boot. Non, c'est faux. C'était Basil Flack. Ouh, allez, débattez. Très osé, cette attaque. Le ministre était-il Boot ou bien était-il Flack ? Arrête ça, Pivs. Tu vas nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir des ennuis, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle dit Boot et il dit Flack. Pivs, qui va l'emporter ? Ça suffit. On va finir en retenue si tu continues. Non, mais moi c'est Pivs que je vise. Pas les livres. C'était Esvaïs. Ce n'était donc ni Boot ni Flack. Mais vous aurez tous des ennuis. Fais attention. On peut pas viser les fantômes. Petit enfoiré. Ok. Il y a des portes, on peut pas ouvrir. Et celle-là.
Révélio. Révéler des trucs. Non, mais il faut... 0... Je comprends pas encore ce truc. C'est le cheval. J'avoue, j'ai pas encore compris ces choses-là. Bon, ça fera partie de tous les machins explorés de partout. Là, il y a quelque chose à faire, mais on a toujours pas ce qu'il faut, a priori. Bon, si on allait au prochain cours. Alors, le prochain cours. Défense contre les forces du mal. En plus, on était passé par... donc, c'est pas loin du tout, en fait. Quoi, faut encore descendre ? Apparemment. Tac, 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 tac. C'est par là. Ah, cette ambiance. Je me disais aussi que je pouvais descendre par là quand même, que c'était plus simple. C'était pas plus près que ça. Attends, on peut faire tourner un truc ici. Ici aussi. Et on remonte. J'ai dû me planter quelque part, non, même pas. Stupéfix. Quoi, c'est tout? Bombarde. Meglioso. Professeur Ikat. Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Levioso. Essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Alors, effectuer un lancer de base en appuyant sur... Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré.
Les chaussons. Bien. À présent, bravo. D'accord. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. C'est le vôtre. Protego. Protego ? Ça complique les choses. Alors, on se sent pousser des ailes ? Tu es doué. Oui. Quelle perspicace. Levioso. Oh. Je sais. Levioso. Souvenez-vous, Levioso est efficace quand il est combiné à d'autres sorts. C'est plutôt joué, pas oh, je sais pas. Levioso. Stupéfixe. Une chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Levioso. J'espère que vous avez tous bien regardé. Voilà comment lancer les vieux sauts. Je crois que ce soit ton premier duel. C'est juste que j'apprends. Seulement tous mes élèves étaient aussi appétits. Les duels animés sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Quoi, t'es pas content? Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Hecat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien, le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Attends. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Ah, moi je veux bien, je suis d'accord. Non, c'est un miroir plus qu'être plus classique. Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. Mais il n'y avait pas deux... Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecat en duel. D'accord. Si, il y avait... D'accord. Il y en a un qui m'attend, là. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Oui, oui, oui. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent.
Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge, si ça t'intéresse. À la prochaine. Ok. Et on continue à découvrir et à débloquer. Ah, je n'aime trucs. Pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Attends, ça peut peut-être m'aider, ça. Ou pas. Difficile à dire. Ok, bon, on va sortir de là. On va fouiller un petit Voyager peu. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. On va fouiller par là. Attends, il y a des trucs. Boum, je bois du thé. Comme ça d'un coup là. Hop. Allez. Ok. Je vais me perdre dans cet immense château. Ma mère a tellement hâte de venir pour les vacances. Des trucs partout. Activer de la musique. Ok. Bon. Bah. On peut pas sauter sur les bancs. Hein, c'est dommage. Alors. Ah! Il nous regarde. On va en profiter. On va s'arrêter là pour cet épisode. Sur mon personnage que j'ai appelé Sammy Coffey, qui nous regarde dans cet endroit du château. Et on se retrouvera au prochain épisode pour la suite. Salut !